observer où nous sommes? Bienvenue, on va tomber sur le site de Pointe-aux-Sel, situé à Saint-Louis. C'est un espace protégé depuis 1980 par le Conservatoire littoral. Et le département est gestionnaire depuis 2003. Le site représente une superficie d'environ 70 hectares. De la plage à la quatre voies et de la mer au récif. Sur ce site, il y a planté les salines et les boudicelles. Les plantes que vous pouvez trouver ici, le veloutier, le marron de mer, le porcher, dans cette espèce indigène. Et après les espèces exotiques, on aura le filao, le raisin marin. Enfin, il n'y a que des espèces exotiques, hein, que les oiseaux, moineaux, cardinal. On peut trouver aussi de temps en temps une espèce indigène, endémique, de zoos. Bon, c'est d'abord, on arrête très tôt sur le site le matin vers 6h. En hiver, c'est 6h et en été, c'est 5h30. Donc, on commence à pomper l'eau, on prend l'eau de mer. On pompe au bas, et bien, ça ne pompe pas en bas. On ramène l'eau tout en haut dans les bassins. Le bassin de tête en premier. Ensuite, un bassin qu'on appelle le bassin de stockage. Ensuite, l'eau va venir dans les bassins de décantation. Il y a de l'argile pour enlever toutes les impiétés. Il y a dans l'eau pour monter l'intensité. Ça, c'est en fonction du vent. Ça. Ensuite, l'eau va arriver dans la nourrice pour alimenter cristallisoire. Il y a 14 cristallisoires. Premier, on aura la feuille de sel. La feuille de sel, c'est le premier fleur qui va se former en surface. Ensuite, cette feuille de sel, là, si on ne ramasse pas, il va tomber au fond du bassin. On aura du gros sel. Et si on laisse encore plus longtemps encore dans le bassin, on obtient du sel pilon. Le sel pilon, c'est le plus gros cristaux. Et donc, le pilon peut écraser. Ensuite, ce sel-là, si on n'a pas pu ramasser, s'il y a trop de vent, il va partir pour les piscines ou bien pour les bétails. Pour les bétails. Et puis on occupe aussi l'entretien du site en général, tous les sites, les 2 hectares du site qu'on occupe. Le voyage, la garde, et tout. Quoi. Quand le temps est mauvais. Sinon, ça uniquement au niveau du bassin. On prend l'eau de mer. L'eau de mer est pompée, il faut attendre 22 jours, 22 à 1 mois. L'eau, ça monte en toute salinité, monte. Ça passe de 42 grammes à 250 grammes au sel. C'est pas un gramme au sel. Donc c'est un peu la soumière. La soumière, on pense c'est dans le liquide, dans la cristalline, dans la nourrice. Et dans la nourrice, le disant en sel, sel liquide. Donc il va venir dans le cristallisoire. Après 3 jours après, on va obtenir du sel. Les balais, on va rentrer le bassin avec les bottes, bien sûr, habillés. On va pousser le sel, ramener ici, comme vous voyez, dans les talons. On va laisser là pendant 2 jours. Ensuite, on va ramener sur une plateforme ici, sous bâche, pendant 5-6 mois. On va bien égoutter, on va bien enlever l'eau. Donc, ensuite, on va ramener le sel de stockage. Le bassin de stockage. Ensuite, on va faire des sacs de 25 kg. Là, on va faire bien la différence entre le gros sel, le faible sel, le sel plus long. Et on va classer. Et après, c'est le musée du sel qui s'occupe de la vente du sel. Avant, on faisait 200 tonnes l'année. Et maintenant, on a baissé, comme on ne fait plus la vente du sel réellement. Donc là, on est à 100 tonnes.